Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. À cette date du lundi 24 janvier 2016, je suis à mon état-major à Divo, au centre d'écoute et de délivrance de Péniel d'Idivo. Après une semaine, un week-end, n'est-ce pas, chargé en matière de promotion de mon tout dernier album, que tout le monde dans le principe va voir, parce que c'est vraiment quelque chose de balèze. Cet album, quelque chose de balèze, ça s'arrache comme des petits morceaux de pain, gloire à Dieu. Nous avons fait, n'est-ce pas, Gagnoua, pas mal de villes, Oumé, après ça, là, de Iré. Et puis, nous avons eu un grand programme ce week-end-là, surtout des séries de témoignages des ex-sorciers délivrés. Et après, nous avons eu un grand dimanche, un grand culte par la grâce de Dieu, bien qu'ils soient en vacances, bien sûr, pour apporter, n'est-ce pas, aider les gens, la population qui, n'est-ce pas, ont besoin, n'est-ce pas, d'expérimenter Jésus-Christ. Voilà, donc cette semaine, elle commence avec, elle commence très bien, bien sûr, mais le week-end, nous aurons ce vendredi-là, n'est-ce pas, une grande veillée. Et c'est la première veillée de la nouvelle année. Donc j'invite à nos frères de la diaspora, si vous avez des parents ici en Côte d'Ivoire, invitez-les à cette veillée-là pour que nous puissions leur remettre un peu d'huile, des petits échantillons d'huile qui vont vous servir de mettre dans des endroits où vous voulez construire des maisons. Je rappelle encore. Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose cette année où vous invitez, pour ceux qui sont à la diaspora, aux États-Unis, qui ont des représentations de personnes ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, sur précisément Côte d'Ivoire, amenez-la cette veillée-là. Nous allons donner les petites huiles consacrées pour que si vous avez des maisons que vous n'avez pas achevées ou des terrains que vous n'avez pas construits, nous allons montrer cette veillée-là, à ces personnes-là, comment aller verser ça sur le terrain pour que vous puissiez avoir des moyens de construire vos maisons. Voilà, donc une veillée ce vendredi-là, et précisément à Zaroko. Donc tout le monde doit passer d'abord ici. Il y aura un convoi à partir de Divo jusqu'à Zaroko. Donc le samedi, spécialement ce samedi, je vais recevoir des gens. Il y aura série de réceptions. Ce samedi-là, il y aura des réceptions à Divo. Il y aura des réceptions dimanche. Donc c'est malgré mes vacances, le Seigneur m'a mis à cœur de recevoir des gens. Donc voici un peu la nouvelle, qui est une très bonne nouvelle parce que nous sommes en train, n'est-ce pas, prier et aider des gens. Bon, pour ceux qui aimeraient venir, pour ceux de la diaspora, je suis encore là, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis encore là, par la grâce de Dieu. Vous venez, vous n'est-ce pas, vous appelez le secrétariat au plus 225 47 07 23 28 ou au plus 225 32 76 38 90 pour signaler déjà votre arrivée. Comme ça, nous allons prendre nos dispositions. Tout est ici, est libre. Nous pouvons causer librement avec vous. Et tout ça. Maintenant, nos activités sont à Zaroko, mais c'est sous rendez-vous ici. Je peux vous recevoir, même aller dans votre chambre. En fait, je peux vous recevoir, parler avec vous jusqu'à ce que vous parlez dans votre résidence, vous revenez pour les délivrances personnelles avec vos familles au niveau d'ici, Divo. Voilà, en même temps, pour annoncer un grand événement de pointe pour la Paris. Paris, tout en train de s'organiser, tout est fin prêt. Voyez la sœur Janine, qui est ma fille spirituelle, et tout ce comité, et le frère, mon fils spirituel Boga, merci Boga, hein. Franchement, merci. Voici quelqu'un de très bon. Merci, Blesson aussi. Merci, monsieur Blesson. Merci, Bogalin. Voilà, merci déjà pour ce comité déjà que se met chez Paris. Vous appelez déjà plus 36 69 39 67 43. Plus 336, je reprends. Plus 336 69 39 67 43. Vous appelez la soeur Janine et il y a des rendez-vous à Paris tous les samedis pour qu'ils puissent se réunir. Pour que cette fois-ci, là, ma venue à Paris, en France, ça soit quelque chose franchement de balèze. Franchement de balèze, bien organisé. C'est ça que déjà nous sommes. Je serai à Paris très bientôt. Tout est fin prêt. Et bien sûr, avec mon groupe musical. Voilà, je venais avec mon groupe musical. Et j'ai fait les villes, telles que Lyon. Lyon rentrait déjà en contact avec la soeur Jeannette. Lyon, la ville de Lyon, la ville de Marseille. Il y aura tout, il y aura Paris. Voilà, donc il y aura des grandes villes que j'essaie de toucher par la grâce de Dieu. Et après cela, j'essaie de toucher beaucoup, n'est-ce pas, de villes européennes, de tout ça. Tel que je répatrierai en Florence. Voilà, donc j'ai fait un coucou à M. Niaouré. Voilà, Niaouré de Florence, déjà avec tous les gens de Florence, je vous aime, je vous parle dans mon cœur. Et puis, je serai aussi à Asti, par la grâce de Dieu, à Turin et à Milan, par la grâce de Dieu. Ça, c'est en Italie. Maintenant, prenez contact avec ceux de Paris pour que ça soit bien organisé par la grâce de Dieu. Je serai aussi, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, en Suisse, en Belgique, avec ceux qui m'attendent aussi en Belgique. Je serai aussi en Danemark. Merci pour le frère de ceux qui est mon fils spirituel, M. Randenmark. Donc, même en Suisse, on commençait déjà à prendre contact avec les gens. Et merci pour ceux des États-Unis. Vraiment, ceux des États-Unis ont commencé à très bien s'organiser. Voilà, très bien s'organiser. C'est le frère Naïm, Olivier et sa femme, que vous devez vous mettre en contact.
il y a New York, toutes les villes, tous les États qui aimeraient que le prophète Crasso les visite, vous appelez à ce numéro 001-443-379-66-58. Je reprends 001-443-379-66-58. Ça, c'est les États-Unis. Pour tous ceux qui me suivent aux États-Unis, qui aimeraient qu'on vous délivre pendant ma présence là-bas, entrez en contact avec le comité d'organisation pour que tout ça soit planifié. Les États qui aimeraient vraiment me voir, je suis tout en train de se planifier, tout en train d'être clair. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous parle dans mon cœur. Notre ministère sera conçu à la destruction des œufs de la sorcellerie. Chacun a son don. Franchement, nous aimerions vous aider, vous faire sortir de ces angoisses, ces difficultés sataniques et démoniaques. C'est le maréchal de la brigade anti-sorcier. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.